nous ne regardons le réel qu'à travers un modèle. Aujourd'hui, nous voyons que les fruits de ce modèle ne sont pas bons. Alors, ben, il est temps simplement de changer de modèle. C'est ce que m'a conseillé un ami alors que j'étais au plus mal. Et ce nouveau modèle conduisait à ce que j'appelle la régénération. Désormais, nous ne pouvons plus faire l'économie de nous connaître nous-mêmes, de savoir quelles sont les lois qui nous régissent. Car dès lors que nous demandons aux autres de faire des choix pour nous, dès lors que nous abandonnons nos responsabilités, nous sommes dépendants et quelque part nous sommes soumis à un arbitraire. Le seul moyen d'être à nouveau libre, c'est d'entrer dans la connaissance. J'ai passé 8 années à parcourir le monde, à questionner, à apprendre de mes expériences. 8 années à vivre pleinement. Ce livre vous raconte mon histoire d'amour avec le vivant et vous transmet cette connaissance essentielle afin de redevenir maître de nos choix et de prendre conscience de qui nous sommes et de notre vertu. La régénération, c'est un petit peu ce qui nous différencie d'une machine. La régénération, c'est la capacité innée qu'ont tous les organismes vivants à se réparer eux-mêmes. On ne parle pas d'une intervention extérieure, on parle vraiment de la capacité du vivant à se rebâtir. Et nous, notre seul enjeu, quelque part, ben, c'est de connaître les bonnes conditions, de connaître les bons paramètres et de les mettre en place. L'homéostasie vient du mot grec homéos, même, et stasis, rester. Donc l'homéostasie, c'est rester le même, mais en équilibre contrôlé. Ce n'est pas un état statique, comme quelque chose que je pose sur une table. L'homéostasie, c'est un flux. C'est un flux dynamique, comme le surfeur sur la vague. Il est constamment en déséquilibre contrôlé. Il obtient des informations multidimensionnelles venant du monde dans lequel il se trouve, venant du vent, venant de la marée, venant des rochers, venant des autres surfeurs, venant de l'état de sa planche. Donc c'est cette information multidimensionnelle qui, dans un flux qu'il doit manager, lui permet de rester en déséquilibre contrôlé. Je n'ai pas dit en équilibre. Bien, l'homéostasie, c'est exactement ça. Au moins 2 fois dans l'état de la Terre, on appelle la Terre la snowball, la Terre a été entièrement gelée jusqu'au fond de l'océan. C'est une énorme boule de glace. Mais elle est repartie. D'autres époques, il y a eu du volcanisme monstrueux avec justement des gaz à effet de serre incroyables, beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Hein. Il y a eu aussi la très très grande vague d'extinction entre la fin de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire, ce qu'on appelle la Permien-Trias, hein, où 96% des organismes vivants disparaissent dans l'océan et sur Terre. Donc il y a eu des catastrophes fantastiques, et puis la vie est repartie. Alors, la chose par contre qu'il faut dire aux humains, c'est que ça prend du temps. Loi de l'homéostasie. Tout système vivant, laissé à lui-même en l'absence de perturbation, revient spontanément à l'état d'équilibre au travers d'une série de processus que l'on appelle des processus régulateurs. Pour te donner un exemple, quand tu prends un système vivant, tu prends par exemple un sol. Quand tu as un champ que tu laisses en friche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir certaines espèces de plantes qui vont apparaître avec une succession de plantes qui n'a rien d'aléatoire. Cette succession de plantes, elle a un sens et elle permet à ce que le corps retrouve des dynamiques de vie qui vont permettre que plus tard, eh bien, on arrive au maximum de ce sol et qui est la forêt. Ça, c'est l'état de pleine santé d'un sol. L'état de pleine santé d'un sol, c'est la forêt. Mais entre-temps, tu vas voir apparaître par exemple des ronces qui sont des espèces préforestières. Tu vas voir apparaître par exemple des plantes qui vont avoir des racines pivotantes qui vont aller puiser profondément dans le sol pour prendre des nutriments. Pour l'humain, qui est un système vivant, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que notre corps revient spontanément à l'état d'équilibre, qui pour moi est l'état de pleine santé. Et là, c'était un pari que j'ai fait. C'est-à-dire que cet état de pleine santé, ce n'est pas simplement la pleine santé physique, mais c'est globalement la pleine santé physique, morale, spirituelle, la joie, la quiétude, la paix, l'absence d'agressivité. Et que le corps revient spontanément à cet état d'équilibre dans la limite de ses capacités adaptatives. Donc il faut lui donner un contexte qui soit approprié, un environnement, c'est là où on parle de cadre. Et que pour y arriver, il va passer par un certain nombre d'étapes qu'on appelle des processus régulateurs. Donc il s'agissait de connaître ces étapes pour pas les bloquer. Parce que si tu as un sol qui se régénère et puis que chaque fois que tu as des ronces qui poussent, eh ben, tu coupes ces ronces
globalement, tu vas couper le processus, tu vas empêcher que les stades ultérieurs apparaissent. Au niveau du corps humain, c'est la même chose. Connaître les étapes sur le chemin, les respecter, et connaître les conditions propices qui demandent le moins d'adaptation au corps et où le principe de l'homéostasie puisse se manifester à son maximum. C'était ça le challenge. Non pas prétendre guérir le corps, mais plutôt prétendre le soigner. Soigner, c'est, on a oublié ce terme-là, hein, c'est apporter du soin. Et apporter du soin, mais c'est juste donner les bonnes conditions. Vers la recherche d'un équilibre. Aujourd'hui, avec ce système économique, on est dans un déséquilibre complet puisqu'on veut une croissance permanente. Et une médecine qui participe à cette économie est condamnée à devoir tout le temps innover, donc tout le temps à augmenter la consommation aussi des innovations, et elle se coupe sans s'en rendre compte, elle se coupe de la vie. C'est quand même fascinant, fascinant de se dire ça. De se rendre compte que c'est des gens qui fabriquent des médicaments qui en même temps polluent les rivières et qui donc finalement favorisent l'émergence de certaines maladies qui vont devoir être traitées par leurs propres médicaments. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc on est dans une, finalement, on dit un système de santé, et je crois qu'on devrait plutôt parler d'un système de maladie, c'est-à-dire un système qui est en bonne santé tant qu'il y a des malades à soigner. Et aujourd'hui, ceux qui veulent nier ça sont de mauvaise foi, parce qu'il suffit de regarder nos hôpitaux, tout le système dit de santé ne fonctionne que parce qu'il y a des malades. Et on est content qu'il y ait des malades, on est content que ça consomme, on est content qu'il y ait des examens complémentaires à réaliser, on est content qu'il y ait des traitements. Et tout le monde est content, il n'y a pas que les soignants, il y a tout le personnel administratif qui vit là-dessus. Et on finit même par inventer des maladies, on finit même par faire de symptômes qui sont relativement anodin ou peu dérangeant, on finit par faire croire que ces symptômes sont inacceptables et on propose aux gens toutes sortes de traitements pour les gommer. On finit par faire de l'âge, du grand âge, du vieillissement, une maladie. À 33 ans, je me suis retrouvé dans un état de mort prochaine, on va dire. En tout cas, c'est ce qui m'a été prédit. Le diagnostic et le pronostic n'étaient pas très positifs. J'avais une tuberculose, j'avais mon poumon droit qui avait été partiellement mangé, voire j'avais perdu énormément de ma capacité respiratoire. J'avais une hépatite, j'avais une pancréatite aiguë, je ne digérais plus rien, j'étais en immunodéficience et surtout j'étais dans un état, on dit, de cachexie. C'est-à-dire que j'avais perdu tout mon poids, j'étais rendu à l'état de cadavre, quoi, quasiment. Je faisais 30 kilos pour 1m75, j'étais en train de mourir, c'est ce que les médecins m'ont dit. Ils m'ont dit, vous êtes en train de mourir. Moi, à 33 ans, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, mes besoins vitaux, ils s'étaient pas respectés. Et la seule chose que j'ai fait pour passer d'un état de cachexie morbide à la personne que je suis maintenant, presque 10 ans après, c'est simplement de mettre en premier mes besoins vitaux et de dire maintenant, je vais répondre à mes besoins vitaux. Est-ce qu'il y a une limite à la régénération? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et la limite à la régénération, c'est avant tout nos croyances. Et il y a autre chose à vivre. Il y a vraiment autre chose vers lequel aller. Et c'est notre imaginaire qui va le conditionner. Il me semble qu'on vit dans un monde dans lequel on a mis l'accent sur des besoins accessoires. Mais ces besoins accessoires, on peut y répondre à condition qu'on ait d'abord préalablement répondu à nos besoins vitaux. Parce que nos besoins vitaux,
comme le nom l'indique, ben, ils sont vitaux. Alors, je ne voudrais pas être un petit peu trop caustique ou trop dramatique, mais si tu fais le tour, manger, ok, quel est le problème actuellement? Ben, globalement, tu as une alimentation qui est bourrée de pesticides et de fongicides. Personne ne pourra prétendre que les pesticides et les fongicides sont propices à la vie. Quand on sait de plus en plus, c'est les grandes recherches actuelles qui te montrent que notre système immunitaire, il est avant tout microbien, bactérien. Un pesticide, un fongicide, ça détruit quoi? Ça détruit les microbes, c'est fait pour détruire les microbes dans les plantes. Alors c'est vrai que moi, dans ma renaissance, j'ai choisi d'optimiser le contenu micronutritionnel. J'ai choisi de consommer tout cru. Alors on va me dire, ouais, mais c'est extrême. Moi non, c'est pas extrême, c'est radical. Une différence. Hein. Extrême, c'est les extrémités. Radical, c'est la racine. Non, je suis revenu à la racine. On m'a dit, tu es en carence minérale, parce qu'effectivement, j'étais complètement déminéralisé. J'avais perdu tout mon contenu minéral parce qu'il avait été pompé, littéralement. Il faut te remplir de minéraux. Alors, je suis allé me renseigner, j'ai dit, mais où est-ce qu'il y a le plus de minéraux? Dans les produits crus, dans les produits naturels non transformés. J'ai dit, je vais me nourrir de ça, s'il faut faire le plein. Moi, je suis pragmatique. Et ça marchait, ce qui est intéressant. Après, on parlait des besoins vitaux, l'eau. Une eau chargée de chlore, de fluor, ce n'est pas une eau consommable. Alors, bien sûr, si on est en ville, il faut la filtrer, il faut l'épurer, ou alors s'orienter vers un mode de vie qui te donne accès au robinet à une eau de qualité. Je pense vraiment que le gros challenge, c'est de prendre conscience de cette merveille qui est déposée en nous. Et le monde nous dit tout le temps, regarde à l'extérieur, c'est ce remède, c'est ce spécialiste qu'il faut aller rencontrer, c'est cette personne qui va avoir la solution pour toi. Mais tout est là. Et toutes les traditions spirituelles nous le disent aussi. Moi, je suis fortement croyant et on nous dit, mais Dieu est au milieu de vous, mais il est en votre sein, tout est présent. Il suffit juste de laisser agir. Et d'ailleurs, l'une des manifestations de ça, c'est par exemple le jeûne. On en parle de plus en plus et de plus en plus à la mode. Pour moi, le jeûne, c'est l'une des plus formidables niques à la surenchère technologique actuelle. Tu as des gens qui passent des dizaines d'années à développer des médicaments extrêmement complexes avec des molécules de synthèse, ainsi de suite. Et à côté de ça, tu as l'apologie du rien. Parce que le jeûne, en fait, c'est rien. Tu te reposes au maximum, tu restes au repos, tu ne fais rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Comme par miracle, on voit des pathologies extrêmement lourdes se résoudre. On a la médecine à l'image de la civilisation dans laquelle nous vivons. Et une civilisation, ça naît d'une représentation du monde. Seulement, cette vision-là, elle a coupé le monde en petits morceaux et elle a oublié que les petits morceaux ne pouvaient pas vivre indépendants les uns des autres. Donc aujourd'hui, on a un grand puzzle, donc on a identifié toutes les pièces, mais on oublie les interactions, les liens qui existent entre ces pièces et donc on n'arrive pas à avoir une vision globale des choses. Et on est déconnecté de ce qu'est la vie, parce que la vie, c'est ses liens, précisément. Et même quand vous êtes étudiant en médecine, on vous apprend le corps humain sur un cadavre, en le coupant en morceaux et en regardant des planches d'anatomie. Alors que, d'abord, il faudrait comprendre que tous ces organes, ils ont une fonction et qu'elles participent d'un grand ensemble. Et qu'il faut avoir cette vision d'ensemble si on veut comprendre ce qu'est la vie. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vision d'ensemble soit respectée. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles choses dans cette expérience de la dissection en petits morceaux, parce qu'on a été très analytique, donc on a bien identifié les choses. Et c'est très satisfaisant et ça peut être très utile, mais ça nécessite d'être recontextualisé, recadré dans l'ensemble. Siècles. Des hommes et des femmes se nourrissent d'une certaine manière, utilisent certains produits naturels qui ont des effets sur leur santé. Sauf que souvent, l'industrie pharmaceutique ne reconnaît pas ces effets parce qu'ils n'ont pas été le résultat d'expériences en vraie grandeur faites selon les principes de base des tests homologués de manière internationale et acceptés par l'industrie pharmaceutique et en général financés par elle. Donc oui, il y a une importance considérable de ce que les gens expérimentent et ce qu'ils transmettent à leur descendance. Si
système fonctionnait fortement sur la croyance dans le système économique, dans mon activité commerciale. Et là, j'ai eu la chance énorme de, dans la continuité de tout ce que j'avais vécu avant, de tomber vraiment gravement malade en 1986. Donc pendant un an, j'ai été vraiment souffrant, avec un ictère, avec des cheveux qui ne poussaient plus, avec des problèmes cardiaques, donc des problèmes de foie importants, des problèmes nerveux très importants. J'avais notamment un début de nystagmus à l'œil, c'est-à-dire mes yeux ne tenaient plus en place. J'avais également des problèmes de spasmophilie nocturne, très très importants, des problèmes de concentration très importants, mémorisation. Bref, ma santé n'était pas reluisante du tout. Et le paroxysme de tout ça, c'est à l'hôpital, en novembre 1986, lors d'un examen assez invasif où on me rentrait des tubes dans le nez pour faire un transit du grêle. L'opération s'est très très mal déroulée. J'ai saigné des deux narines. J'ai ressenti une douleur extrêmement violente dans le ventre. Je me suis mis en position fœtale. Et puis, j'ai retiré la sonde. Et là, c'est le début de ma nouvelle vie. Je me suis entendu dire, c'est fini, je veux rentrer chez moi. Les médecins qui étaient autour de moi ont été un peu surpris, se sont même moqués de moi. Donc ils m'ont dit, mais monsieur, non seulement vous tenez pas debout, mais vous tenez pas assis. Donc ils ont doucement souri. J'ai insisté, j'ai appelé un ami pour qu'il vienne me chercher, j'ai signé une décharge, et là je suis rentré chez moi. Et de ce jour-là, ma vie a été complètement différente. C'est-à-dire que j'ai basculé d'un paradigme à l'autre. Et j'ai commencé à mettre en place en 2014 mes premiers jeûnes. Alors c'était vraiment des petits jeûnes, c'était des journées, à peine une journée, des jeûnes intermittents, tout ça. Et j'ai décidé de me former à la naturopathie en 2015, j'ai passé la formation. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire mes jeûnes un peu plus longs. J'ai commencé par 2-3 jours régulièrement. Et là, je voyais vraiment une amélioration dans mon état de santé, même si j'allais déjà beaucoup mieux depuis quelques années. Fin 2011, j'ai eu la chance, et c'est une chance, en faisant du jardinage, en vidant mon camion, j'ai eu la chance d'avoir une petite branchette de seringa hein, qui était coupée bien en biais, qui, en vidant mon camion, m'est rentrée dans l'oreille et a ravagé le conduit auditif et a fortement détruit mon tympan. Donc immédiatement, j'ai ressenti une douleur très vive. Immédiatement, j'ai une surdité totale de mon oreille droite. J'ai donc souffert, dois-je le dire, mais pas trop, parce que j'étais dans la confiance que tout allait s'arranger, donc je n'ai pris aucun antidouleur. J'ai fait beaucoup de yoga, j'ai fait beaucoup de tai chi chuan, beaucoup de qigong, beaucoup de méditation, beaucoup de marche taoïste la nuit, parce que quand je ne dormais pas, mais j'avais confiance. Donc je suis parti en otite dès le départ, c'est-à-dire l'otite c'est tout de suite déclenché, donc mon oreille coulait, c'est pas très ragoûtant de parler de ça. Donc le matin au réveil, quand j'ai commencé à redormir, il y avait beaucoup de liquide séreux qui avait coulé de mon oreille. Et l'état est resté à peu près stationnaire pendant 32 jours. Et au bout de 32 jours, la douleur a commencé à descendre. Et l'ouïe a commencé à revenir. Je commençais à faire ça et je commençais à entendre quelque chose. Et le 35e jour, je me suis réveillé. Je souffrais à peu près pareil. Et je me suis aperçu que j'entendais des sons qui étaient de plus en plus fins. C'est-à-dire en frottant mes mains, j'entendais. Vers 10h du matin, il y a eu une décrue brutale de la douleur. Qui m'a vraiment fait un énorme plaisir. Et à 11h du matin, il y a eu une décrue totale de la douleur. C'est-à-dire, tout d'un coup, je n'avais plus de douleur du tout, et j'entendais des sons très très fins, c'est-à-dire en frottant très très doucement les doigts les uns contre les autres, j'entendais parfaitement. Et là, j'ai pris une décision. Ça faisait 35 jours que je n'étais pas allé à la piscine. J'ai pris la décision d'aller à la piscine. Et il ne s'est rien passé du tout, et je suis retourné régulièrement aller à la piscine ensuite, et mon oreille entend toujours parfaitement. Un peu plus tard, je suis retourné voir mon ORL, qui a vérifié au niveau clinique que mon tympan et que mon conduit auditif étaient bien parfaitement régénérés. Après, j'ai de temps en temps un pic de candidose, et je le sais, c'est quelque chose qui est encore fragile au niveau de l'équilibre. C'est peut-être la seule chose aujourd'hui qui peut me gêner, et je le sais très bien, je le sens.
Ça peut être lié soit à un peu plus de stress, même si le stress fait franchement plus trop partie de ma vie. Je vous avouerai que je ne me prends plus la tête. Je vis relativement simplement et surtout en relativisant les choses. Comme je crois au miracle, je pense qu'on est capable, en tant qu'humain, de faire en sorte que ces lésions ne se voient plus du tout, c'est-à-dire qu'elles disparaissent complètement. Alors c'est un truc de fou parce que la médecine va vous dire que bah, les lésions, elles sont plus ou moins irréversibles. Alors les petites peuvent éventuellement se réparer. Maintenant les grosses, elles sont là, quoi. Et donc moi j'aimerais pouvoir un jour arriver vers un médecin et lui dire, bah, vous voyez, il n'y a pas de lésion, quoi. Il n'y a pas de plaque. Et c'est plutôt bien parti parce qu'effectivement, je m'amuse à passer des IRM de temps en temps, on va dire tous les 2 ans maintenant. Et oh, bah, miracle, j'ai des lésions qui disparaissent. Donc, je pense que la régénération peut aller très très loin dans le corps humain. À partir du moment où on se fait confiance, où on lui apporte ce qu'il faut, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas. Et je pense que le jeûne, c'est quelque chose qui accélère la régénération. La façon dont se répartit l'énergie nerveuse dans le corps est autant à respecter que l'énergie elle-même. C'est le corps qui va décider de régénérer telle ou telle partie en priorité. C'est le corps qui va décider s'il faut commencer par régénérer le cœur, le foie, l'estomac, le cerveau, le système musculaire, remettre en ordre le système hormonal. Et c'est pour moi d'une grande sagesse que de ne pas vouloir intervenir dans la répartition de l'énergie nerveuse, de ne pas vouloir intervenir dans la façon dont le corps va hiérarchiser sa remise en ordre. L'écologue René Dubos disait souvent à ses internes d'hôpitaux, mais avez-vous essayé de ne rien faire ? Plutôt que d'agir, plutôt que de tout de suite vouloir traiter, vouloir opérer, vouloir modifier, l'idée de René Dubos, mais avez-vous essayé de ne rien faire ? Avez-vous essayé d'observer ? Et ça, c'est très proche de la pensée de la permaculture, c'est-à-dire c'est de voir comment est-ce que la nature évolue, de l'observer évoluer avant que de vouloir intervenir. La vie moderne pose un certain nombre de problèmes avec le manque de sommeil, une alimentation qui n'est pas toujours très adaptée avec des produits transformés, une consommation souvent excessive de sucre ou de viande, par exemple, mais également un stress quotidien, un rythme de vie en tout cas très intense, sans phase de calme. Et tous ces éléments, combinés les uns après les autres, finissent par mettre notre corps dans un état de stress chronique. Et le problème du stress au niveau physiologique, hein, l'état de stress ressenti par nos cellules, c'est un état d'inflammation qui s'installe, avec toutes les problématiques que cela peut générer pour notre santé, avec un affaiblissement au niveau de l'immunité, des dégradations au niveau cellulaire, un fonctionnement qui se ralentit au niveau de la capacité de fonctionnement des cellules, et sur le long terme, donc, c'est toutes les maladies de dégénérescence que nous connaissons malheureusement trop aujourd'hui. Comme alors les problèmes d'Alzheimer, par exemple, Parkinson, pour parler de la dégénérescence neurologique, les problèmes cardiovasculaires, le diabète, les perturbations hormonales. Et puis, ce qui aujourd'hui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur dans notre monde moderne, tous les problèmes liés à l'immunité, que ce soit de l'asthme, par exemple, de l'eczéma, les maladies auto-immunes ou les intolérances, par exemple. L'environnement peut aussi être générateur de bien-être et de santé en se dirigeant vers un environnement qui nous offre les éléments dont nous avons besoin pour mieux fonctionner. D'aller vers un environnement moins pollué au niveau atmosphérique, d'avoir une eau qui est également plus pure
que l'eau que nous pouvons consommer de manière classique, mais également d'avoir un environnement avec moins de champs électromagnétiques, moins de stress ambiant, peut apporter à l'organisme un soulagement très important. Si tu réalises comme Michel, qui était dans son, le poisson qui était dans son bocal et dans son aquarium, que l'état de santé de Michel est là, à la hauteur de la qualité de l'eau de son aquarium, tu réalises que tu dois prendre soin de ton environnement parce que ton environnement détermine exactement ton état de santé. L'environnement et le corps ne sont en réalité qu'un seul système. Un système intégré. En moins d'un an, nous recyclons 98% de toute la matière de notre corps. Et au niveau moléculaire, atomique, nous avons un nouveau foie toutes les 6 semaines, une nouvelle peau tous les mois, notre corps se recycle constamment. Si l'écosystème est malade, nous sommes malades. Et tout ce qui se passe dans notre corps est intégré. Les pensées, les émotions, les interactions sociales, l'environnement. Ambroise Paré dit je soigne le corps et Dieu le guérit. Il nous dit simplement je mets en place les circonstances pour que le corps puisse de nouveau être le lieu où la vie s'exprime. Et Dieu c'est la vie dans cette phrase pour moi et du coup la vie elle trouve son chemin. Le chemin pour la vie c'est la détente, c'est quand le corps est relâché, quand le corps est capable de se régénérer. Celui de la Caisse nationale d'assurance maladie pour les affections de longue durée. Depuis 1990, les maladies cardiovasculaires ont progressé 5 fois plus vite, le cancer 4 fois plus, les affections psychiatriques 3 fois plus. Rappelons que l'ANSES indiquait fin 2011 que 90 à 95% des cancers sont liés à des causes exogènes, c'est-à-dire à l'environnement au sens large. Ce qui est très satisfaisant dans cette approche, c'est de se rendre compte que les principes du vivant, ils sont valables pour tout le vivant. C'est-à-dire, du plus petit système vivant, d'une bactérie, d'une cellule, jusqu'au plus gros système vivant, qu'il soit humain ou non humain. Et une forêt, par exemple, la dynamique des forêts, eh bien, elle répond exactement au même principe. Et je m'amuse souvent, moi, à faire des parallèles dans les principes que je mets en avant pour la santé humaine, avec des personnes qui sont spécialistes de la dynamique des sols, par exemple. Et on se rend compte que ce qui rend un sol efficace pour avaler les nutriments, par exemple, eh bien, c'est la vie bactérienne qui va se retrouver à sa surface. Et qu'un sol qui est à nu, c'est comme des intestins qui ont été mis à nu par des doses d'antibiotiques, eh bien, c'est un sol qui ne va pas pouvoir assimiler les nutriments qu'on va lui donner. Et que ben, il ne s'agit pas tant d'apporter des nutriments au sol que de le couvrir par exemple avec ce qu'on appelle un mulch, une couche de couverture, et que le simple fait de poser une couche de couverture sur le sol, d'un seul coup, on va avoir la richesse du sol en éléments minéraux qui va augmenter d'une façon drastique. On n'a rien apporté de l'extérieur, on a juste restauré les conditions propres. Et donc là, on retrouve exactement le même parallèle. C'est ou la bioaspiration, c'est le fait d'aller chercher dans les mécanismes du vivant, dans les organismes vivants, des procédés, des matériaux, des idées, des systèmes d'organisation que l'on va ensuite utiliser pour les appliquer vers des technologies humaines.
Alors, il y a deux phases à ce niveau-là. Il y a la première phase qu'on appelait bionique avant. Je dis souvent, nos avions, ils volent depuis 150 ans. Les oiseaux, ils volent depuis 150 millions d'années. Donc, ça veut dire que sans oiseaux, on n'aurait jamais inventé les avions. Donc, il y a toute une infinité comme ça d'idées qui ont été utilisées. Et pour moi, les meilleurs champs d'application immédiat, c'est l'agriculture, c'est évident. Hein. On va revenir à l'agroécologie et au bio. La santé aussi, ça, on peut l'évoquer. Elle est extrêmement ancienne. Donc, la nature minérale de la Terre, elle a 4,6 milliards d'années. La nature vivante de la Terre, hein, la biodiversité, elle a 3,90. Bon, déjà, quelle entreprise rêve de durer aussi longtemps, hein? Ça, c'est qu'il faut bien regarder ça. Donc, si on compare ça à une entreprise, c'est la plus fabuleuse qui existe. Elle a eu tous les avatars possibles. Elle a failli plusieurs fois disparaître, cette vie, hein. La Terre s'est gelée, a réchauffé. Mais elle est toujours là. Elle est la reine pour réussir à faire des choses avec des niveaux de dépenses d'énergie très, très faibles. Alors voilà, ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il a plu, le sol, en fait, la terre qui est là, l'eau, elle ne va pas rentrer. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, c'est bloqué. Il n'y a pas la vie dedans. Et quand il y a la vie, donc tous les micro-organismes qui sont dans le sol, eh ben, la terre prend une structure poreuse, vivante, et donc tout circule. Et il y a justement, c'est ça, rien ne stagne. Et ça va créer des cycles. Et là, on voit que justement, l'eau est bloquée, donc le cycle est bloqué. C'est parce que la vie, il n'y en a pas ou très peu dedans. Donc le sol, on dit qu'il est mort ou éteint. Alors dès qu'on se rapproche des arbres ou des forêts ou des lisières de forêt, il y a de plus en plus, c'est beaucoup plus facile de voir justement les vrais héros en fait de tout ça. Ce sont donc les champignons, les bactéries, les nématodes, les protistes, toutes les petites bestioles, en fait, tous les micro-arthropodes, tous les micro-organismes qui vivent dans le sol, c'est eux qui vont justement commencer à travailler ensemble avec les plantes et générer cette fertilité, débloquer tout le cycle des nutriments pour que les plantes puissent avoir ce qu'il leur faut quand il leur faut. Et comme ça, ça leur permet de tous se connecter ensemble et donc de vivre dans un bouillon de vie ensemble. C'est là où ils réussissent justement à être le plus sain. C'est mon laboratoire. Alors voilà, là, ça c'est le compost. Et donc le compost, c'est un élément de ma vie en fait. J'ai une chérie, j'ai une fille, j'ai un chien, un chat et j'ai un compost. Et le compost, donc je travaille avec lui constamment, donc c'est un être vivant. Pourquoi vivant ? Parce qu'en fait, dans chaque petit morceau, il y a des milliards de microbiologies, en fait, donc de bactéries, de champignons, de plein d'autres petites choses, qui font qu'en fait, ils ont digéré toute la matière organique qui était là, ils sont en train de la transformer dans une sorte d'alchimie. Ils sont maintenant partout là-dessus. Et quand je vais mettre ça sur de la terre éteinte, ou quand je vais mettre ça sur des sols, et bien toute cette microbiologie, ce qu'on appelle un inoculum, il va atterrir dedans et il va commencer à s'installer. La plante, elle va rentrer en contact avec eux directement, ils vont créer une symbiose. Eux, ils vont développer, ils vont faire le cycle de leur vie, et à force de vivre, etc., pour simplifier, ils vont relâcher les nutriments que la plante, elle, va pouvoir manger. C'est l'humain. L'humain peut faire ça avec beaucoup d'intention et beaucoup d'amour. Donc on peut le calculer, on peut le mesurer, on peut devenir expert et vraiment le raffiner comme un... Je crois que je vais avoir ma deuxième étoile Michelin du compost. Il n'y a pas une nature ici, un humain ici. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas séparer l'humain de la nature. Vous avez un humain dans la nature, ça c'est clair. Et un corps humain, c'est beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines. Donc on arrête de me dire qu'on est unique, hein. Ça c'est clair. Et je me suis beaucoup intéressé au moment où un bébé humain contacte le monde biologique extérieur, la biodiversité de la Terre. C'est au moment de la rupture de la poche des os chez sa maman. À ce moment-là, des bactéries extérieures à la maman, mais qui sont dans elle, sont capables effectivement d'aller contaminer ce bébé dans le bon sens du terme. Et un bébé, il met 2 ans à se contaminer et à faire sa propre flore intestinale. Et on connaît aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, l'influence déterminante de ces bactéries dans nous et sur la peau aussi, hein, dans notre bien-être. Donc, est-ce qu'on peut parler d'homéostasie ? Pourquoi pas ? Il y a une régulation de ces bactéries et notre régulation à nous est due à ces bactéries. Il y a des produits qu'on ne pourrait pas digérer sans ces bactéries. Et on sait que sur la peau aussi, si on les détruit en permanence, ça se passe mal. Des usages inconsidérés d'antibiotiques, par exemple, ou des nutritions mal adaptées, ont entraîné des dizaines de maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940. Donc cette biodiversité est essentielle pour le système Terre, oui, mais pour nous encore plus, puisque nous sommes la biodiversité, nous aussi. Et donc, si tu attaques la microbiologie, la plante va être beaucoup plus faible et il n'y a plus la défense de la microbiologie, la bonne microbiologie, et là c'est l'entrée pour les pathogènes et ceux qui vont justement abîmer la plante. Mais le corps c'est pareil en fait, c'est quand tu as une bonne microbiologie qui est là, elle va attaquer, elle va empêcher toutes les pathogènes, toutes les mauvaises microbiologies à venir t'enquiquiner. Il
et on montre aujourd'hui, ça c'est très important, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, les papiers depuis 2 ou 3 ans nous montrent qu'un écosystème fonctionne quand il est très biodivers, que si on l'abîme, il n'est plus capable de fonctionner, et pire que ça, il ne sera pas capable de s'adapter parce qu'il ne pourra pas changer et résister au changement. Donc c'est un cercle très vicieux en ce moment, parce qu'on a abîmé nos écosystèmes et on crée des forces de changement. Or, c'est quand ils étaient intègres qu'ils pouvaient résister à ce qu'on fait là. Compliqué. Et n'oubliez jamais, quand on parle de résilience, qu'on ne peut résilier que si on a survécu. Donc il faut d'abord résister. Et si vous avez résisté, vous pouvez résilier. Nous, on a un mépris total de nos enfants, de nos petits-enfants. On s'en fout. Donc, c'est Groucho Marx qui disait d'ailleurs, mais pourquoi j'irais faire quelque chose pour mes descendants? Ils n'ont jamais rien fait pour moi. C'est à peu près ça. Il faut développer une culture de l'impact qui fera que quand on fait quelque chose, on imagine à l'avance ce que ça va entraîner pour d'autres. Et c'est ça, c'est en ce sens-là qu'il faut qu'on change totalement nos façons de faire. Et c'est ça, le plus beau en fait, c'est que tous les sols, toutes les terres, elles ne sont pas mortes. On dit mortes, mais c'est pas mortes, c'est éteint. Morte parce qu'il n'y a pas assez de vivant, mais on peut nous remettre cette étincelle de vivant dedans, rallumer les sols, remettre la vie, relancer, et c'est jusqu'à la fin de nos jours. Et elle fait partie déjà de ça, et c'est pour toutes les générations qui vont venir, et on va faire qu'aggrader, qu'augmenter la fertilité. Ouais. Et elle nous aide à planter la forêt maintenant. On a planté une forêt? Oui. Ouais. On grimpera dans les arbres quand il sera grand avec les enfants? Ouais. La guerre que nous menons sur Terre contre la biodiversité est la même guerre que nous menons en nous-mêmes contre la vie à l'intérieur de nous. On la mange? Cool, merci la fleur. Qui dit belle chose? L'épigénétique, c'est une véritable révolution en biologie. Pourquoi? Parce que la génétique qu'on connaît maintenant depuis assez longtemps, avec le décryptage du code génétique et la découverte de la double hélice de l'ADN, l'épigénétique, comme épi, veut dire ça vient en plus, par-dessus. On pouvait considérer que la génétique, c'est la programmation des cellules, la programmation de la vie. L'épigénétique, c'est la modification de l'expression des gènes en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que notre environnement, ce que nous mangeons, si nous faisons de l'exercice ou pas, si nous luttons contre le stress, nous pouvons influencer certains gènes, faire que certains s'allument, d'autres s'éteignent, certains sont plus exprimés ou moins exprimés. Donc c'est beaucoup plus varié que la génétique elle-même. L'épigénétique, c'est vraiment la possibilité de faire quelque chose pour soi, de faire quelque chose pour son corps, grâce à la modification de son propre environnement. Le système darwinien de mutation et de sélection naturelle est un système qui prend des centaines de milliers d'années. C'est celui qui a conduit à la variété extraordinaire de toutes les espèces vivant sur la planète, qu'il s'agisse des animaux ou qu'il s'agisse des plantes. Or, l'épigénétique, justement, sa caractéristique, c'est d'être très courte, d'agir à très court terme. On peut soi-même, en modifiant sa nutrition, en modifiant son exercice, en modifiant son stress, agir en quelques semaines, pas sur des années. Donc c'est vraiment du court terme, même pas du moyen terme. Les relations épigénétiques avec notre corps sont vraiment du court terme, on en voit les résultats. Aujourd'hui,
Nous avons tendance à tirer sur les nerfs d'autrui, notamment parce que une majorité de la population mondiale vit en ville. Et la ville est réputée être un milieu peu ergonomique. C'est bien pour ça qu'on y cherche la nature, qu'on y cherche des parcs. Celui-là, en l'occurrence, a été voulu par Napoléon III précisément pour augmenter l'ergonomie de sa cité, sur le modèle de Londres, qui était à la fois la plus grande broyeuse sur Terre et qui essayait de développer des parcs pour pallier cette tendance qu'elle avait à broyer les gens sur le plan psychologique et social. Eh bien, aujourd'hui, il faut bien que nous comprenions que l'humanité tisse la toile où elle se prend. C'est un grand poète soufi du XIIe siècle, Hakim Sanaï, qui a écrit ça. L'humanité tisse la toile où elle se prend. Et nous, les humains, nous avons tendance à créer des environnements pour nous protéger, et ces environnements finissent par nous détruire, spirituellement. Malraux a dit « le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Par spirituel, on peut entendre bien au-delà de la religion la simple notion d'esprit, c'est-à-dire l'esprit humain, qui est une réalité qu'on ne peut pas nier. Il existe un esprit humain. Eh bien, cet esprit, il ne faut pas le détruire, il ne faut pas le tordre, il ne faut pas le brûler. Et pour ne pas le brûler, il faut absolument que nos lieux de vie soient neuro-ergonomiques. C'est pour ça que dans le livre, j'ai dit le nerf est sacré, notre esprit est sacré, nous devons arrêter de brûler nos cerveaux, nous devons arrêter de stimuler la production d'hormones de stress, aussi bien en ville qu'à l'école. L'hormone de stress par excellence, c'est le cortisol. On sait aujourd'hui que dans les villes, le taux de cortisol ne descend pas comme il devait descendre du temps où nous étions par exemple chasseurs-cueilleurs, et pourtant où nous étions dans une situation parfois beaucoup plus stressante puisque notre vie était en jeu. Nous devons créer des environnements où la cortisolémie est basse. Nous devons créer des environnements où le stress est maîtrisé et auquel on lui donne un sens. On ne se rend pas compte à quel point la logique de l'épuisement des ressources, c'est une idéologie qui est prégnante dans ce monde depuis longtemps, mais globalement, on va dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est dans une logique d'épuisement. D'ailleurs, on ne t'en cache même pas. On parle de directeur des ressources humaines. On parle de la ressource humaine. Et on est dans une logique de l'épuisement des ressources. On épuise les ressources fossiles, on épuise les ressources minérales, et on épuise les ressources humaines, nerveuses humaines. On prend des individus, on les pousse à leur maximum, on les essore d'une certaine manière, et une fois qu'ils sont essorés, c'est pas grave. Il y en a des tas d'autres qui arrivent derrière. Nos nerfs peuvent accumuler des pollutions de toutes sortes. D'abord, il y a des pollutions biochimiques, physiques, la pollution lumineuse, hein, dont on voit aujourd'hui qu'elle est de plus en plus grave. Je veux dire, une lumière orange qui donne sur la fenêtre de votre chambre à coucher, ça va détruire votre qualité de sommeil. C'est quelque chose qui a été étudié abondamment. Ça va réduire la production de mélatonine avant de s'endormir. La mélatonine étant une hormone essentielle au rythme circadien, c'est-à-dire les rythmes jour-nuit. Et bien sûr, la pollution sonore, l'être humain n'est pas fait pour entendre une voiture passer à fond la caisse à côté de là où il dort. Il n'est pas fait pour entendre un marteau-piqueur le réveiller à 5h du mat, etc. Oui, il y a tout un tas de pollutions nerveuses qui s'accumulent dans nos nerfs et qui vont avoir un impact majeur sur nos comportements. Donc oui, pour libérer les gens de tout ça, la meilleure façon, c'est de les rendre conscients de ces mécanismes, c'est de leur expliquer que leur cerveau fonctionne sur cette base-là, c'est de leur expliquer qu'il existe des pollutions, et donc de faire en sorte que leur alimentation intellectuelle soit plus saine. Le jeûne est une période assez particulière pour l'organisme, dans laquelle il se passe beaucoup de choses, mais souvent des choses internes, des choses que nous ne percevons pas toujours. Il y a bien sûr tous les symptômes classiques qu'on qualifie de détox, avec des maux de tête, des douleurs qui peuvent apparaître, une fièvre, un état de faiblesse qui apparaît. Le système nerveux est très important dans notre corps car c'est lui qui dirige. C'est lui qui va être le pilote, le grand commandant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque nous mettons en jeûne, c'est l'organe qui va travailler en premier pour se nettoyer, se rénover. Il est très important de privilégier, de préserver son système nerveux lorsqu'on envisage une rénovation, justement parce que c'est lui qui va permettre de diriger tout ce qui va se passer dans notre corps.
Or, la rénovation du système nerveux, ça commence bien sûr par des changements d'alimentation ou d'hygiène de vie qui permettent de reposer l'organisme, mais également par du repos. C'est lorsque nous nous reposons, que ce soit durant la nuit, durant une sieste, ou même à n'importe quel moment de la journée, tous les moments de relaxation pour notre corps, que notre système nerveux se rénove, que notre système nerveux crée de nouvelles connexions entre les neurones. C'est lors de ce moment-là également que le système nerveux enclenche des processus de nettoyage qui sont beaucoup plus poussés. C'est un moment où on vient toucher l'absolu héritage, la grâce de cet héritage qui nous est donné à chacun d'entre nous. Cette formidable ressource qui est déposée dans notre cœur et qui permet à notre corps de revenir spontanément à l'état d'équilibre à partir du moment où on diminue les perturbations. Et surtout, ça nous dit une chose. Si en t'arrêtant de manger, tu vas mieux, ça veut dire que ce que tu manges te rend malade. Si en s'arrêtant de s'agiter, tu vas mieux, ça veut dire que ton agitation te rend malade. Si en changeant d'environnement et en te plaçant dans un environnement naturel, tu vas mieux, ça veut dire que l'environnement dans lequel tu vis au quotidien te rend malade. Le jeûne permet de rattraper finalement le retard qui s'est accumulé au fil des mois et des années. Toutes les surcharges, les sollicitations que nous faisons subir à notre corps s'accumulent, un petit peu comme les dossiers sur notre bureau si nous n'avons pas la capacité de les traiter en temps et en heure. À force de s'accumuler, l'organisme s'affaiblit et des symptômes apparaissent. Le jeûne permet de rattraper ce retard, de récupérer ce retard et donc de traiter les dossiers qui se sont accumulés. Et comme notre corps est très intelligent, il va travailler en priorité sur les dossiers les plus urgents, les plus importants. Or, pour avoir un exemple, c'est le système nerveux qui travaille en premier pour se nettoyer. C'est pour ça qu'on a souvent des troubles comme des maux de tête qui apparaissent en début de jeûne. Mais on peut voir également des problématiques urgentes sur le moment. Une personne qui vient de se faire une coupure, qui a une cicatrice en cours de réparation. J'ai eu le cas également d'une personne qui avait une greffe de peau, qui n'arrivait pas à prendre et qui a fait un jeûne d'une semaine et la greffe avait totalement cicatrisé. L'étude a été publiée dans le numéro de juin 2014 de Cell Stem Cell par des chercheurs de l'Université de Californie du Sud. La recherche montre que les cycles de jeûne prolongés protègent le système immunitaire contre les dommages et induisent la régénération du système immunitaire et la régénération des cellules souches. Le jeûne est une tradition qui faisait partie intégrante de nombreuses cultures anciennes. C'était à l'époque en fait où je passais mon bac. C'était une période où j'étais en terminale. C'était une période assez stressante. J'ai commencé à avoir certaines douleurs au niveau des intestins, de l'estomac, des crampes, des diarrhées, des trucs assez virulents d'ailleurs, et une perte de poids assez conséquente. Malheureusement, c'est un peu comme l'asthme. C'est quelque chose que vous auriez à vie, par exemple. Et il m'a dit, en fait, on peut traiter que les symptômes, mais on peut pas traiter la maladie. Alors ça a été un peu un coup dur, parce que, en plus de tout ce que j'avais traversé, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, je vais me traîner ça toute ma vie, quoi. Et il m'expliquait que c'était donc une maladie chronique, que ça arrivait par phase, que ça pouvait parfois disparaître pendant plusieurs mois, et puis tout d'un coup, vous tombez dessus, etc. C'est un peu comme une épée Damoclès, quoi. On vit un peu dans la peur, on n'ose pas trop s'engager dans certaines choses dans la vie, de peur que ça nous tombe dessus, quoi. Ce médicament était devenu un peu comme une sorte de drogue, puisqu'en fait, je le prenais, que j'ai des crises ou pas, en fait. Je me disais, autant le prendre tout le temps, autant le prendre, etc. Et en plus, ça coûtait super cher, fallait commander en pharmacie et tout. Enfin, j'étais rentré dans un cercle un peu vicieux comme ça. Cette maladie, en fait, elle me possédait, quoi. Le jeûne intermittent m'a permis de supprimer mes médicaments pour le diabète totalement. J'avais déjà arrêté l'insuline avant, mais depuis déjà au moins 6 mois, j'ai arrêté complètement tout médicament pour le diabète. Et du fait, nous avons déménagé dans une région avec beaucoup plus de soleil, avec un temps comme aujourd'hui somptueux, et qui nous donne le moral journellement, quoi. On est vraiment dans une autre phase, quoi, une autre phase de vie. On fait plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Ouais. Pour tout ça.
On fait plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Oui, on a une autre optique de vie. Ça nous a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, sur les gens aussi. On est beaucoup plus communicatif qu'avant. On était enfermés sur nous-mêmes. On vivait avec une petite société qu'on faisait fonctionner depuis des années. Et on n'avait pas l'ouverture qu'on a maintenant. On n'avait pas les échanges qu'on a. On n'avait pas, le désir de communiquer autant que maintenant avec le monde extérieur. Comme un espèce de voile en fait qui se lève devant mes yeux, et je me suis dit mais en fait mais c'est tellement évident. C'est-à-dire que notre manière de consommer aujourd'hui elle est tellement excessive et elle est tellement toxique parfois que forcément si je suis malade c'est parce que c'est ce que je mange en fait, c'est ma manière de vivre. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser à cette alimentation, à enlever des choses qui peuvent être nocives, comme le lait, comprendre le véritable impact du lait sur le corps, comme les céréales, le gluten. J'ai eu aussi j'avais du cholestérol, bon ben le problème est résolu aussi. J'ai des résultats maintenant sanguins qui sont tout à fait normales. Je manque de rien, tout est équilibré. Même ma glycémie est très bonne en général. En fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas des choses qui étaient indispensables en fait, à l'homme. Et au contraire, je me sentais beaucoup mieux. Et en plus, le lait, ça a vraiment eu un véritable impact. Parce que je me suis rendu compte qu'avant, je buvais beaucoup de lait. Et que bizarrement, bah, avec mon bol de lait le matin, une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, quand j'étais à la gare, je pouvais plus aller à... je pouvais vraiment plus prendre le train. Quoi. J'étais obligé d'entrer chez moi. Je me disais, c'est pas possible. Et en fin de compte, ça a été un déclic, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, personnel. Il faut juste que tu arrêtes de t'empoisonner, en fait. Et ça, les jus de légumes, ça a véritablement été un tremplin. Et je buvais, et... Oh mais j'étais, mais... J'avais l'impression d'avoir une bombe qui avait explosé en moi, quoi. Un truc qui était énorme, et franchement, mais ça me... Rien que d'en boire, ça me donnait le sourire. J'étais joyeux, c'était... Enfin, je voyais le soleil partout, j'étais... Et c'est là où j'ai compris que ça avait un impact aussi sur le mental, sur notre, sur la motivation, tout ça. Et ah, ça a été fantastique, c'est chouette. Avec tes mains, si tu veux, regarde. Non, ok, il faut pas, je mets tes mains dedans. Ouais. Demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non de leur maladie. Connaître ces processus régulateurs, ça me paraît totalement indispensable parce que on se rend compte relativement rapidement que nombre de ces processus sont qualifiés de symptômes. Or, comme la médecine moderne a tendance à faire la chasse aux symptômes, tu te dis finalement, souvent, on bloque un processus qui est un processus de réparation spontanée. Et je pense que c'est important aussi de les connaître parce que si tu parles à une personne de changer son hygiène de vie, son mode de vie, son cadre de vie, en lui disant, voilà, tu vas aller vers une régénération de ton organisme. Eh bien, si elle ne sait pas ce qui peut se passer, elle peut au début être impressionnée. Par exemple, un organisme que l'on met au repos, mais c'est un organisme qui va commencer à se nettoyer. Et un nettoyage, ce n'est pas obligatoirement toujours la chose la plus glamour qui soit. Hein. Il peut y avoir des écoulements, c'est normal. Hein. Un corps qui se nettoie, il y a des manifestations, il y a des symptômes. Et si au premier symptôme, tu prends peur, eh bien, à ce moment-là, tu vas faire marche arrière. Et à ce moment-là, tu ne vas pas permettre la réparation. Pourquoi est-ce qu'on veut supprimer ce symptôme ?
quel est le problème avec ce symptôme. Parce qu'on a connoté le symptôme de façon négative, parce qu'on a dit le symptôme c'est un problème. Parce qu'on a dit avoir de la fièvre c'est un problème. Parce qu'on a dit faire de l'inflammation c'est un problème. Mais tout ça, ça demande à être prouvé. Quand moi je courais par exemple et que je tirais trop sur mes articulations, eh bien d'un seul coup j'avais mon genou qui gonflait. Et comme on me poussait à l'entraînement, on me poussait à la performance, j'allais voir un médecin, je lui disais, mais moi là je veux des anti-inflammatoires. Mais si j'avais compris que le processus inflammatoire, c'était le meilleur moyen de bloquer mon articulation et de favoriser une meilleure vascularisation dans cette zone et une réparation de la zone, j'aurais compris que le processus inflammatoire, il n'est pas contre moi. Alors oui, il est contre ma performance, mais ma performance, c'était quelque chose qui était décidé intellectuellement et qui ne correspondait pas à un besoin vital du corps, qui ne correspondait pas même à un fonctionnement normal du corps. Et donc, le processus inflammatoire était un processus de régulation. Il n'est pas anormal de faire du symptôme dans un monde qui est globalement toxique. C'est le contraire qui est anormal, parce que si tu ne fais pas du symptôme et si tu ne laisses pas ressortir ces produits-là, ça veut dire que tu les accumules. Et si tu les accumules, ils te mangent littéralement de l'intérieur. L'histoire, c'est un petit peu comme si tu es en train de conduire ta voiture et d'un seul coup, tu as ta jauge d'essence qui s'allume sur le tableau de bord. Ça, c'est un symptôme. Tu as deux possibilités. La première, ben, c'est d'en prendre note, de te dire « Ok, je n'ai plus d'essence, il va falloir que je détourne un petit peu mon itinéraire. Ok, je vais perdre un peu de temps à faire le plein, mais je sais que c'est nécessaire de faire une pause dans une station-service pour faire le plein. Il va falloir que je sorte de l'argent, il va falloir que je mette en branle un certain nombre de processus, mais si je ne le fais pas, je vais tomber en panne sèche. Et ça, c'est inéluctable. Donc, tu fais ça, tout va bien. Puis tu as la deuxième attitude, tu vois le voyant qui s'allume, là tu prends un marteau et tu défonces ton tableau de bord à coups de marteau et tu dis « je veux pas le voir ». Le problème c'est que t'auras beau ne pas le voir, tu vas continuer quelques kilomètres, mais tu vas te retrouver en panne sèche. Et notre rapport aux symptômes, il est souvent celui-là, on veut pas les voir. Quand Guilhem disait « la maladie, c'est une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation perturbée ». Et c'est très vrai, s'il y a de la fumée ici, on va se rendre compte qu'on va se mettre à tousser pour chasser la fumée. On cherche ce symptôme, il est là pour retrouver un équilibre. S'il y a beaucoup de fumée, on va se mettre à tousser énormément. Et ce symptôme va nous protéger de la fumée. Maintenant, les symptômes, il faut pouvoir d'abord entendre ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire qu'il faut trouver la cause qui est derrière. Dans l'exemple que je donne, ce serait d'arrêter qu'il y ait de la fumée qui se répande dans la pièce. Plutôt que de simplement donner un antitoussif qui empêcherait peut-être la personne de tousser et donc l'empêcherait même d'évacuer la fumée qui reste là toxique dans la pièce. Mais en même temps, il faut pouvoir canaliser le symptôme parce que si par exemple cette personne se met à tousser beaucoup trop, évidemment elle peut se faire du mal, elle peut se mettre à saigner ou même dans un effort avec un cœur un peu fragile faire un problème cardiaque. Donc il y a à la fois à écouter le symptôme et à canaliser le symptôme. Et notre médecine elle fait pas ça. Elle supprime le symptôme parce que nous sommes dans une vision où tout inconfort, toute douleur est insupportable et voire obscène. Donc il faut absolument revenir à un état de confort, quasi un état d'anesthésie. Hein. Notre seuil de sensibilité devient finalement très très abaissé. On ne supporte plus grand-chose comme symptôme, comme sensation, comme douleur. Or, une douleur vient simplement dire qu'il y a quelque chose qui demande d'être regardé, qu'on en prenne soin et qu'on se mette au repos tant qu'on n'a pas trouvé la cause et qu'on n'a pas laissé l'organisme récupérer. Donc ça, c'est vraiment très important de se rendre compte qu'il y a un manque dans notre médecine. Une médecine qui est une médecine du symptôme et de la réparation. Et ce manque, c'est la valorisation des ressources de l'individu, du potentiel de l'individu, de ses capacités d'auto-guérison. Mon mode de vie, avant en fait je vivais à du 300 à l'heure. Hein. Je travaillais, le travail a toujours été un refuge pour moi, à cause justement de ces problèmes de stress que je vivais. Le travail était vraiment le refuge. Ça me permettait de ne pas penser, de ne pas affronter les choses qu'il y avait à l'intérieur de moi. Après ça, ça a eu comme conséquence que je suis tombée en période dépressive très très profonde et très grave et que je suis restée 7-8 mois en hôpital à prendre des quantités de médicaments pour la dépression,
Et donc la déchéance était physique, et elle était aussi émotionnelle et elle était aussi psychique. La cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est qu'en plus de cette obstruction des voies supérieures respiratoires qui m'entraînait une dyspnée aiguë et un stridor, eh bien on m'a diagnostiqué suite à des pertes d'équilibre et le syndrome de la tête qui explose. Pas sympa du tout ce syndrome d'ailleurs, entre parenthèses, une tumeur au cerveau au stade 4 sur 4. Donc j'ai refusé la trépanation avec les potentiels effets secondaires très lourds comme la paralysie du visage, et demander à avoir la technique non-invasive par une espèce de couteau laser sans avoir à ouvrir la boîte crânienne. Alors là, les chirurgiens m'ont dit que ce n'était pas adapté à mon cas, que cette technique était réservée uniquement au premier stade et que ma tumeur était bien trop grosse pour être traitée par cette technique. Donc j'ai insisté et ben, ils ont fini par accepter en me prévenant que c'était à mes risques et périls, que je le faisais en toute connaissance de cause, qu'ils étaient plutôt pessimistes sur le résultat. Mais moi, mon plan en parallèle, évidemment, était de jeûner. Je me suis juré de rompre le jeûne au moment où je serais guéri. Donc, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Les 10 premiers jours ont été durs parce que j'étais énormément accro à la bouffe, à la malbouffe. Pendant 2 mois, je me suis retrouvée encore pire qu'avant. C'est-à-dire avec toute cette détoxination qui était une souffrance inouïe pour le corps, un manque absolu, et j'ai traversé tout ça. Au 10e jour, j'ai des ganglions qui ont commencé à pousser au niveau de la gorge. Alors, au début, ça faisait pas trop mal, c'était gênant, et puis au fil des heures, je me suis retrouvé complètement bloqué. Je pouvais plus bouger le cou. Le lendemain, j'étais complètement HS parce que je me suis aperçu que, en fait, je ne pouvais plus avaler d'eau, je ne pouvais plus boire et j'hypersalivais. Donc, je me suis retrouvé dans une situation très inconfortable. Les ganglions étaient vraiment énormes. Je ne pouvais plus boire d'eau, donc je ne pouvais plus parler non plus. J'étais aphone et je me suis retrouvé dans un état au 12e ou 13e jour vraiment alertant. Au 15e jour, je me suis aperçu qu'il y avait un petit bout au matin, au réveil, il y avait un petit bout de peau qui pendait dans ma gorge. Alors c'était très troublant, c'était nouveau, ça faisait pas mal et je me suis dit, tiens, c'est la première idée que j'ai eue intuitive, c'est peut-être mon système immunitaire qui a creusé coûte que coûte un trou dans la gorge pour que je puisse reboire. Donc j'ai ravalé une micro-goutte d'eau qui est passée. Donc c'était bien la gorge qui se désobstruait petit à petit. Et donc les 2 jours d'après, j'ai pu de nouveau me réalimenter, reprendre une soupe. Donc là, j'en étais arrivé au 15e, 16e jour. Alors, 17e jour, ce qui est intéressant, c'est que toute ma peau du visage a pelé et est tombée sur la table en plein hiver. Et donc j'avais une peau rose bébé. Tout le monde disait, tu as rajeuni. Bon, j'ai perdu 10 ou 15 kilos, mais ça, c'était accessoire parce que... C'était troublant le fait que je mue, vraiment c'est mué comme les serpents. Donc je me suis retrouvé le 17e jour à retourner sur le terrain de football où j'ai failli mourir et à faire des 100 mètres. Comme j'étais sportif, malgré mon hygiène de vie déplorable, je me suis mis à courir des 100 mètres sur la plage et oh merci, Seigneur merci, c'est-à-dire que ma gorge était complètement désobstruée, je pouvais de nouveau respirer à gorge déployée, et c'était vraiment une libération exceptionnelle que ce jeûne thérapeutique. Donc il a fallu 8 mois pour que dans mon corps, tous les paramètres de la dernière prise de sang soient totalement OK. D'ailleurs à la dernière prise de sang, au mois de février, quand je suis allée voir mon médecin généraliste, comme le résultat de prise de sang, il avait toutes ses fiches. Et puis quand il a eu la fiche, il me dit « Ah non, c'est pas vous ça ». Il a remis le papier de côté. Et en fait, c'était bien ma prise de sang. Donc, il ne voulait absolument pas croire, parce que les chiffres disaient, c'est que les paramètres de l'hypothyroïdie, de la maladie auto-immune, alors qu'on m'avait pronostiqué malade à vie et inguérissable, incurable, eh bien, force était de constater qu'il n'y avait absolument plus rien dans les traces de prise de sang par rapport à ces deux problèmes qui pouvaient se chiffrer, se tracer avec tout un historique de prise de sang tous les 2 mois.
Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de stimulation? Pourquoi? Parce qu'on est mort intérieurement, on est vidé, on est épuisé, on a besoin de cette stimulation. Alors la stimulation, elle peut être par la recherche de la frayeur extrême, les films d'horreur par exemple qui sont partout hein, aussi, ben, ça fait peur, ça stimule à tous les niveaux. Et puis la stimulation, on va pouvoir la rechercher aussi dans la nourriture. On se rend compte que plus un aliment est transformé, plus il est stimulant. D'ailleurs souvent, quand je dis ça, on me dit, bah, non, mais pourquoi tu dis ça? Ben, je vais vous proposer une petite expérience. Demain, vous ne mangez pas. Et vous voyez dans quel état de fatigue vous allez vous retrouver. En début d'après-midi, vous allez être simplement épuisé. Et là, vous allez réaliser que l'alimentation nous stimule énormément. Énormément. Elle évite que l'on ressente réellement notre état de fatigue. Donc, on commence à s'orienter vers une alimentation. Et globalement, plus elle va être raffinée, plus elle va être transformée, plus elle va être stimulante. T'es encore derrière Robert ? L'équilibre acido-basique est un élément, un pilier nécessaire pour notre santé. Notre corps, le fonctionnement même de notre corps, est générateur d'acide. En plus de ce fonctionnement-là, il faut savoir que notre alimentation va amplifier cette acidité, notre mode de vie, l'exposition aux divers polluants, notre stress, puisque les cellules, qu'elles soient nerveuses ou musculaires, fonctionnent de la même manière. Nous aurons donc un terrain qui risque de s'acidifier. Et cette acidification qui est naturelle doit être compensée par l'alimentation, mais aussi par l'environnement, c'est-à-dire par la respiration, par exemple, et par un environnement qui va être apaisant, qui va être nourrissant par l'extérieur au-delà de l'alimentation. Donc, quand on me demande, mais est-ce que ça marche pour tout le monde? Je dis, oui, les principes, ils sont les mêmes pour tout le monde. Par contre, les recettes, la façon de l'appliquer va être différente d'un individu à l'autre. Et c'est pour ça que je pense que l'un des torts actuellement, c'est de chercher en permanence à donner des recettes. Dès que quelqu'un a quelque chose qui va mal, on lui dit, il faut que tu fasses ça. On ne s'interroge pas sur les principes qui sont derrière ça, on lui dit, il faut que tu fasses ça. Or, ce qui a marché pour nous ne va pas obligatoirement marcher dans un copier-coller pour l'autre. Le principe qui est sous-jacent pour nous va marcher de la même manière pour l'autre. Par contre, la règle ne va pas être la même. La règle est la recette. Alors oui, il y a des limites à ça. Et la limite, je l'ai vu, c'est toujours la capacité adaptative d'un individu. C'est-à-dire que quand tu changes d'alimentation, par exemple, bien à l'intérieur de ton tube digestif, tu as un ensemble de bactéries qui sont primordiales pour la digestion et donc pour l'assimilation. Quand tu changes d'alimentation, automatiquement, tes populations bactériennes vont se renouveler, vont changer. Sauf que si tu as une capacité adaptative qui est faible, eh bien, ça va mettre un certain temps. Et pendant tout ce certain temps, eh bien, tu vas mal assimiler l'alimentation que tu manges. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui me disent « Ah ben moi, par exemple, j'ai fait comme toi, je me suis mis à manger tout cru et j'ai perdu énormément de poids. » Je dis oui, parce que simplement, tu étais fatigué. Donc, la capacité de ton système à s'adapter à une nouvelle alimentation, elle était moindre. Plus une personne a un système nerveux costaud, bien, plus il va revenir rapidement à l'état de santé. Moins une personne a un système nerveux costaud et plus ça va mettre de temps. L'organisme change, se renouvelle. Et quand le corps revient au métabolisme habituel, après la rupture du jeûne, ce n'est pas le même corps, c'est un autre corps renouvelé. Et c'est important, les changements touchent l'ensemble du corps et la personnalité. En fait, on va trouver deux choses, en tout cas deux maladies chroniques. On tombe sur un cancer déjà avancé, donc cancer du canal anal, enfin, qui assimilait un cancer de la peau, un carcinome épidermoïde, qui avait déjà colonisé les organes à l'intérieur du corps, qui était au stade 3. Et puis en même temps une thyroïdie d'Hashimoto qui était évidemment moins préoccupante, puisqu'en fait le diagnostic vital était par contre engagé sur le cancer.
fallait que je change de vie. Et en fait, on peut dire quelque part que la maladie m'a permis de me libérer complètement pour aller vers le modèle de vie que en fait, j'aurais sans doute voulu avoir depuis le départ. On est allé donc à peu près en 2006 en Thaïlande, tous les deux, après que lui y est allé. Et là-bas, ça se passait pas très très bien, il faisait très chaud, c'était le climat tropical et beaucoup de stress, on n'avait pas de temps, bon bref, je passe les détails, mais il y avait une ambiance au niveau du travail qui était compliquée. Et du coup, j'ai commencé à ce moment-là à ressentir des symptômes de fourmillement sur les deux mains. Et je me suis pas inquiétée au début, et puis ça a augmenté. Et là, je travaillais dans le service à ce moment-là, et les plateaux me lâchaient des mains. Je me suis rendu compte que le stress était une grosse source de déclenchement de mes poussées. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Tant pis, on trouvera des solutions, mais il faut arrêter ce travail-là. Là, elle me dit, bon, t'arrêtes en plus donc les féculents, t'arrêtes donc le riz, les pâtes, les pommes de terre. Le riz, c'est tout ce qui me restait parce que j'avais arrêté les pâtes sans gluten. T'arrêtes le café, t'arrêtes bon, l'alcool. Tu te fais des enveloppements à l'huile de ricin, plein de tisanes, voilà, beaucoup de choses. Donc ça faisait encore lourd, je trouvais, parce que j'avais déjà fait un bon parcours, il me semblait. Et donc, c'est pas grave, j'ai pleuré un bon coup et le lendemain, c'était reparti. Donc tout le monde s'inquiétait et moi-même, je m'inquiétais de ma démarche. Je me suis dit, mais je maigris beaucoup et je fais des petites poussées. Donc finalement, c'est peut-être pas ça. Mais au fond de moi, je me disais, si, je le sentais, je me sentais mieux. J'avais un regain d'énergie. Le soir avant, je m'endormais à 9h, j'avais des maux de tête, des migraines tout le temps. Là, j'avais plus de migraines, je me sentais bien. Le soir, on parlait avec mon mari des heures, ce qu'on ne faisait plus depuis bien des années. Et du coup, j'ai continué et... Eh bien, il s'avère que voilà, aujourd'hui, ça va super bien. J'ai repris mon poids presque d'origine parce que j'étais à 51, donc j'ai juste perdu mes 2 petits kilos d'un bon point, comme on dit. Il y a quoi dans les légumes que vous avez mis ? Il y a des carottes. Vas-y, chérie. Vas-y, c'est bah, devine, Nelly, il y a quoi ? Ah oui, des pommes, des carottes et de la betterave. La maladie survient à l'homme pour que tout espoir ne soit pas perdu. Donc ça, c'est des phrases qui ont quand même résonné très fort en me disant « Ok, il y avait des symptômes, j'ai pas su quoi en faire, j'ai écrasé, j'ai rien vu, je suis passé dessus. Bah, » Le corps, il a fabriqué une maladie, et laquelle pour me sauver en quelque sorte. Bon. Cette médecine-là a pu, malgré tout, me sauver, je le reconnais volontiers. Bon, il y avait peut-être d'autres alternatives, mais à ce moment-là, je n'étais pas prête, en fait, à essayer d'autres choses. Enfin, j'étais soumise à cette médecine, je n'avais pas d'autres alternatives. Donc, je suis rentrée dans ces soins et j'ai déposé mon corps à la médecine. Et puis, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les armes qu'ils avaient. Et ensuite, à partir du moment où j'ai retrouvé un pouvoir de projection, c'est là que j'ai décidé que ce serait d'autres normes de vie. Donc là, j'en suis au stade où j'ai complètement arrêté le lévothyrox au mois d'août. Donc je l'ai arrêté progressivement du début de l'année jusqu'au mois d'août. Donc côté fatigabilité, merveille. Donc c'était bien le lévothyrox qui me mettait dans des états de fatigue, mais complètement insupportables. On est arrivé donc à l'eau distillée. Donc aujourd'hui, on boit beaucoup d'eau distillée. On a découvert donc le monde des légumes lacto-fermentés qui sont pleins de probiotiques, donc c'est pareil. Parfois on voudrait nous donner des antibiotiques donc pour anéantir la vie et nous donner des probiotiques derrière, alors qu'avec des légumes lacto-fermentés, finalement on a toujours de la vie en nous et on en mange un tout petit peu par jour. Moi je me suis découvert une passion pour les graines germées, donc je fais ma petite culture tous les 3 jours, je les récolte et puis j'en remets, et c'est délicieux. On a découvert la cruzine, donc ce qui est génial. Avant, je salais énormément mes plats, ce qui était complètement mauvais pour la santé, mais on se dit, mais oui, mais alors les légumes vapeur, tous ces gens qui veulent manger des légumes, puis qui finalement se retrouvent avec des légumes vapeur sans goût et qui mettent du sel à tout va. Et ça s'est avéré qu'on a découvert, par exemple, des makis avec des graines germées, avec des avocats, et on se rend compte que quand on mange cru, on a vraiment tout le bon goût des aliments, et qu'on n'a plus besoin de sel, on n'a plus besoin de sauce, on n'a plus besoin de tout ça. Donc ça, c'était une étape, le pain sans gluten, toutes ces choses-là. Et puis, on a mis un peu nos enfants là-dedans. Et on se rend compte que avant on allait chez le médecin une fois par an. Ensuite, on s'est mis aux huiles essentielles. On n'allait quasiment plus chez le médecin. Enfin, on n'y allait plus du tout. Et puis maintenant, on n'est plus malade. Donc, on ne peut pas se dire, non, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de malades chroniques en France et autour de la planète.
on est en capacité en fait de réhumaniser le monde. C'est quand même très fort. C'est-à-dire que c'est les malades qui, au quotidien, peuvent dire aux autres, mais attendez, c'est, vous allez tous dans le mur. Il va falloir changer aussi vos modes de vie. J'ai réalisé qu'en fait, jusque-là, j'avais choisi de semer le mensonge, de semer l'agressivité, de semer la violence, de semer le quant à moi, de semer l'appropriation personnelle, de semer l'égoïsme. Et là, je me suis dit, ok, je suis en train de mourir et j'ai pas envie de mourir. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je choisis de semer autre chose. Je choisis littéralement. J'attends pas que ça me tombe du ciel. Je choisis. C'est une démarche personnelle. Et ça a été ma démarche de repentance. Et ça, je pense que ça a été aussi un facteur essentiel dans mon retour à la santé. Cette démarche de repentance, elle m'a nourri. Et après, ben, tout le reste a conspiré ensemble pour amener à l'état de pleine santé. Le fait d'avoir accès à une alimentation qui était une alimentation de qualité, riche en micronutriments, ça n'a fait qu'accélérer tout ça. Le fait d'avoir accès à un air de qualité, un environnement dans lequel je pouvais prendre du temps pour moi-même, pour me relaxer, a été très important. J'avais du temps aussi, je me suis mis à beaucoup marcher. Et puis, dans la marche aussi, j'ai découvert cette qualité d'introspection, ce temps passé avec moi-même pour observer réellement l'individu que j'étais et me dire, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'interagir avec le monde? Il ne s'agit pas d'une démarche dogmatique, il s'agit d'une expérience directe. Tout comme j'ai pu expérimenter directement que le fait d'augmenter la part de fruits et de légumes dans mon alimentation transformait radicalement mon état intestinal, mon état de fonctionnement biologique. Au-delà de tout ce qu'on pouvait me raconter, on me dit « Ah mais non, mais tu crois que simplement avec des fruits et des légumes ?» Ben oui, je le crois. Pourquoi ? Parce que je l'ai cru et je l'ai expérimenté. Les paramètres de santé, ils sont multiples. Donc, ce qui va nous aider, ce n'est pas simplement une alimentation. Ce n'est pas l'alimentation vivante, l'alimentation crue. Actuellement, on nous vend ça, hein, l'alimentation crue qui va tout sauver. Non, c'est un petit paramètre de santé. Ce qui va nous changer littéralement notre vie, ce qui va nous permettre de passer de l'état de mort-vivant à l'état de vivant, c'est de comprendre que nous vivons en ignorant ou en feignant d'ignorer complètement les lois du vivant qui s'imposent à nous, que nous sommes dans un état d'immaturité et de rébellion contre des lois qui sont bonnes pour nous et qu'il s'agit de rentrer dans la maturité. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Ne pas croire que c'est que l'alimentation, ne pas croire que c'est que le mental, ne pas croire que c'est la méditation, ne pas croire que c'est que un voyage initiatique, c'est plein de choses et chaque personne est différente, donc chaque personne va avoir sa méthode de régénération qui lui est propre, je dirais. Mais une chose est sûre, c'est que ça vient de l'intérieur. Cette maladie m'a fait faire un bond en avant en fait, en termes de maturité, en termes d'écoute, en termes de compréhension, en termes de, si je peux me permettre, de sagesse, mais dans le sens à vraiment essayer de comprendre les choses, à pas essayer d'être un consommateur bête, lambda, quoi. Et ça a été difficile d'en parler aux autres, parce que à mon âge, bah, on fait beaucoup de soirées, j'en vois qui se détruisent,
La sclérose en plaques, ça n'existe pas. En fait, on a que des corps malades. Alors oui, il faut laver son corps, et il faut laver son corps pour... En d'abord s'écoutant, parce qu'on nous dit de faire des vaccins, on nous dit de prendre des médicaments, on nous dit d'aller travailler, de se dépêcher, de tout ce rythme de vie qu'en fait qui correspond pas du tout, je pense, pour le vivre maintenant, à notre anatomie, à notre biologie, à notre esprit. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui est déjà présent à l'intérieur. Arrêtez de démissionner de notre responsabilité et de rendre l'autre responsable des choix que nous faisons. Parce qu'au final, c'est nous qui choisissons ce que nous mangeons. C'est nous qui choisissons ce que nous respirons. C'est nous qui choisissons l'environnement où nous vivons. D'une certaine manière, je ne regrette pas en fait, d'avoir eu cette maladie. Je ne regrette pas d'avoir eu cette souffrance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, cette maladie de Crohn, en fait, elle n'existe pas. Elle existe pour les médecins, elle existe pour les entreprises pharmaceutiques, elle existe, etc. Mais en fait, pour moi, c'était juste une alerte rouge en fait, dans mon corps, quoi. Et j'ai été énormément content d'avoir cette alerte rouge. Ça m'a permis de me réveiller, ça m'a permis de travailler, ça m'a permis de changer, ça m'a permis de grandir. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est comme une bénédiction. On récupère de la confiance en nous, on récupère un potentiel physique, intellectuel, et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là et que la maladie, Lucie, t'en sort, et qu'on a encore plein de nouveaux projets et plein de choses qui nous sourient. Et tu verras que tout va changer, quoi, naturellement en fait, c'est ça, naturellement. La vie m'a dit, sèche tes larmes, le ciel ne se venge pas. Reste-toi, sois fort, tout le monde te changera. Accroche-toi à ta flamme et transmute la fable. Relève-toi vite à chaque fois que ce monde te fait un croche-patte. Je cultive pas la haine ou elle te mangera. Guéris, car si tu es mal en toi-même, ce sera pareil autre part. Si tu cherches un coupable, regarde-toi dans la glace. Ta réalité, tu l'as fait, elle n'est rien d'autre qu'une question d'octave. La vie m'a dit, bonheur dépend de ton regard. De ce que tu dégages, ceux qui n'ont pas peur du vide ne tombent pas. Car la peur attire toute ta haine magnétique. Les erreurs se répètent parce qu'on cultive l'amnésie. Elle m'a dit, ne juge pas, évite les pensifs. T'analyse tes analyses, car tes pensées te construisent. Ne banalise jamais, tout est unique, médite ça. Et si tu ne sais où aller, recueille-toi, le ciel te guidera. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondante, on l'imagine austère. Elle m'a dit, ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve-la, fais le vide et retrouve-toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre. Elle m'a dit, le soleil est en toi. Et tout tourne autour du soleil. La vie m'a dit, écoute les mots que je te souffle. Prends-toi en main plutôt qu'appeler au secours. Ancre-toi dans le présent et son mouvement. Apprendre à donner vraiment, c'est ne rien attendre en retour. Rien n'est trop tard si tu crois t'être trompé de route. Écoute l'intuition, elle fera disparaître le doute. Elle te relie à toi-même, te délivre. Chaque humain voué à prier, que le ciel te bénisse. La vie m'a dit, n'aie pas peur de te tromper. Les erreurs font grandir et puis faut oser pour être entier. Y'a que toi qui décidera du sens de ton sentier. Lâcher prise de résister et voir la vie avec un grand V. Seul amour peut guérir. Et sa personne ne pourra te l'enlever. Maîtrise ton esprit, tout ce que tu vis, tu l'as engendré. Elle m'a dit ne te rends pas, ton âme ne se vend pas. Aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondante, on l'imagine austère. Elle m'a dit, ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve-la, fais le vide et retrouve-toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre. Elle m'a dit, le soleil est en toi. La vie m'a dit, crois en toi, rien n'est impossible. Fuis l'orgueil, c'est par lui que les cœurs s'appauvrissent. Reste intègre, fille de la terre, mensonge ne sera jamais vérité. Même si des foules entières l'applaudissent. Parle vrai, pas comme tous ces mots qu'on a trop dit. Si tu n'ouvres pas ton cœur, comment veux-tu que la lumière s'introduise? Reste fidèle à tes convictions, aime sans condition. Elle m'a dit, pose-toi les bonnes questions. La vie m'a dit, toi seul connais tes rêves. Préserve les car les dévoiler, c'est risqué de les perdre. T'accroches à rien ici, pas tout est éphémère. Reste près de ton cœur, même si tu passes par les ténèbres. Tout part de toi, ta réalité te reflète. Parce que l'on voit ce que l'on croit et que l'on est ce que l'on souhaite être. La vie m'a dit, ose-moi, reconnais-toi en l'autre. Car l'autre est un autre toi. La vie m'a dit,